Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi qu'on se prépare à vivre une magnifique fin de semaine. Et pour bien la commencer, on va méditer ensemble sur la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Mais juste avant, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Bonjour, je voudrais vous dire ce matin, bonne communication. Vous savez, communiquer, c'est pas facile. Et être capable de passer notre pensée dans la communication. Communication, souvent les gens disent « on communique ». Non. C'est quelque chose, je pense, qu'être capable de communiquer avec l'autre et aussi dans les médias, je pense que le Seigneur nous a donné une grâce pour ça. Il nous a donné quelque chose pour pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas toujours facile de communiquer. Mais la vraie communication, je vais vous le dire, communication entre ce que je pense et ce que je veux dire. Ce que je crois dire et ce que je dis. Ce que vous avez envie d'entendre et ce que vous croyez entendre. Et ce que vous entendez et ce que vous avez envie de comprendre. Et ce que, et ce que vous comprenez. Il y a 9 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais, essayons quand même. Alors, seul celui qui sait écouter pleinement peut communiquer pleinement. Écouter, c'est une grande phrase. Écouter. On pense qu'on écoute, mais on n'écoute pas. Et à prendre le temps d'écouter, ce n'est pas facile. Puis, avec les préoccupations de la vie quotidienne, ce n'est pas facile non plus. On est habité par toutes sortes de choses. Il faut aller tellement vite, même dans les communications. Même dans... On voit vraiment dans les téléromans, il faut qu'il aille tellement vite que c'est quasiment un ouragan. Avant, on prenait le temps. Aujourd'hui, ils disent qu'il faut faire ça vite parce que ça coûte trop cher. Alors, trop cher passe avant la communication. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que j'ai dit, être capable, on ne peut pas écouter, ça va bien trop vite. Quand on commence à écouter, on a hâte que ça finisse. C'est ça le problème. Et après tant d'années qu'on est dans les médias, j'ai constaté que vraiment, ce n'est pas facile. Et puis, on dit, plus la technique se perfectionne, plus le temps, il faut qu'il soit court. Plus il faut passer la communication et le message. Et puis, le message, il passe là, mais il ne se rend pas à la caméra parce qu'il faut vite que ça décolle. Alors, soyons attentifs et soyons capables de pouvoir communiquer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charron. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême. Alors, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce carême 2017. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir depuis 22 ans, ça fait 22 ans maintenant, c'est des émissions quotidiennes, 7 jours par semaine, sur l'ensemble du réseau TVA. Et imaginez, les émissions sont diffusées à la télé, évidemment, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à Internet et Facebook, bien, les émissions sont maintenant planétaire. C'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on regarde dans Saint-Marc ce que Jésus nous dit, et lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle », quoi de mieux que ces grandes technologies qui nous permettent de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Alors, moi, je vous tends la main aujourd'hui en vous disant merci de tout cœur, au nom de Jésus, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, pour votre don spécial du carême, parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Ne nous laissez pas tomber, je l'espère. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence en ce carême 2017, et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je vous dis souvent que j'aime l'appeler le prêtre au cœur de tendresse. Il a été, imaginez, aumônier de prison à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. Il a tout vu, cet homme. C'est un homme d'une grande, grande compassion. Le Père Jean. Bonjour. Bonjour à vous qui nous écoutez de votre chambre ou de votre salon ou peut-être ailleurs. Aujourd'hui, c'est un évangile assez extraordinaire. C'est l'évangile de saint Matthieu. Comme tous les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, eux, n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser. Et il y demeura. Mais beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Mes amis, ce texte, je pourrais dire qu'il est un texte révolutionnaire pour le temps de Jésus, au temps de Jésus, mais il est un texte révolutionnaire pour notre temps aussi. Alors que souvent, on a tellement un désir de vengeance, de punition. Jésus dit, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils et les filles de votre Père qui est dans les cieux. » Et de la même façon, à Saint-Luc, Jésus dira, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Je dirais que Jésus est un révolutionnaire de l'amour. Il incite
à la révolution, mais par l'amour et non pas à la, par la violence. Dans un sens, il est subversif aussi, parce que pour, dans son temps, dire ou affirmer ou demander ou donner un tel commandement, c'était inacceptable. Il y avait la loi du œil pour œil, dent pour dent, qui était la loi du talion. C'est-à-dire, si quelqu'un nous faisait du mal, on pouvait lui en faire, mais pas plus qu'il nous en avait fait. Alors que Jésus, lui, demande, oppose cette loi du talion à la loi de l'amour. Si quelqu'un nous fait du mal, nous dit Jésus, répondez par la non-violence, répondez par l'amour. Mais comment arriver à pouvoir vivre ce message de Jésus? Mais comment y arriver? Si ce n'est que par son aide, on ne peut rien faire sans l'aide du Seigneur. Jésus vient changer nos cœurs pour que nous arrivions à pouvoir aimer comme lui aime, mais il vient vraiment changer nos cœurs par son amour. Vous savez, Luther King, alors qu'il était en prison, il venait d'apprendre que les Blancs avaient fait sauter sa maison. Il a écrit un chapitre sur l'amour des ennemis. Il dit, vous avez beau nous faire du mal, nous mettre en prison, nous tuer, nous allons vous aimer assez que vous allez basculer dans notre camp. Voilà un vrai chrétien. Jésus nous demande aussi d'être parfait et miséricordieux comme notre Père céleste est parfait. Comment arriver à la perfection de Dieu? On est saint non pas parce que nous sommes saints par nos bonnes actions. Nous sommes saints parce que nous sommes habités par le Saint des Saints qui est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et pour arriver à être parfait et miséricordieux comme Jésus, il faut épouser le cœur de Dieu. Et être miséricordieux, c'est compatir avec son cœur à la souffrance, à la misère des autres, sans les juger, sans les condamner. La miséricorde engendre le pardon. Et souvent, la miséricorde va engendrer aussi la réconciliation. J'ai vu en prison des gars, et particulièrement, je pense à un, qui avait été rendu infirme par un gars qui l'avait trahi, renié, et qui l'avait fait mettre en prison. Il voulait le tuer en sortant. Et ce texte de Saint-Luc et de Saint-Matthieu a bouleversé sa vie au point qu'il a pardonné au gars et lui a téléphoné pour lui dire qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Jésus vient nous libérer de nos prisons. J'ai une question à nous poser. Est-ce que nous vivons comme chrétiens et chrétiennes la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent, mal pour mal? Ou est-ce qu'on est assez chrétien pour pouvoir vivre vraiment la loi de l'amour? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas l'émission de demain, c'est l'unique Sœur Angèle. Imaginez, on va fêter ensemble ses 60 ans de vie religieuse. Elle va nous raconter des souvenirs et vous allez découvrir un côté de Sœur Angèle que vous ne connaissez pas. C'est vraiment des beaux moments que j'ai eus avec elle. C'est plein de tendresse. Et on a la chance d'avoir Georgia Fumanti qui chante et Sœur Angèle va chanter avec elle à la fin de l'émission. Je vous dis que c'est des très beaux moments. Ne manquez pas ça demain. Bye. Mais je me dis, la guerre, pour moi, ça a été une force. Ah oui? Oui. Parce que quand tu souffres beaucoup, quand tu es jeune, je suis née en même temps que la guerre, il faut se le dire, et puis quand tu voyais tous ces Allemands rentrer, puis toute cette affaire, ça tirait de partout, ça mourait partout, on marchait par-dessus les morts, Jésus-Marie.